comme tout le monde le sait, le carnaval approche et on va tester des stickers pour le visage. Alors là, c'est la forme d'un chat. Sticker pour le visage. Il paraît que c'est repositionnable, c'est pour les enfants, c'est Jeko qui fait ça. Alors, on va tester et on va tester sur notre petite Zoélie. Et c'est Lilou qui va lui mettre ses stickers sur le visage. Non, ça, ce sera plus vers la fin. On va commencer avec ses oreilles. Alors, les petites oreilles. C'est des autocollants. Des autocollants? Alors, si c'est des autocollants. On a mis plein de barrettes à Zoélie. En fait, c'est pour lui soulever les cheveux pour éviter que les stickers n'aillent dans les cheveux. Alors, la petite oreille, elle se positionne juste au-dessus du sourcil. Le problème, c'est que comme on a des petits fronts, et ben l'oreille, elle est grande par rapport au petit front. Là, elle positionne la deuxième oreille au-dessus de l'autre sourcil. Bizarre. Ça te fait bizarre? Ça te serre les sourcils. Évite de toucher parce que ça va lâcher. Alors, qu'est-ce que tu vas mettre maintenant, Lilou? Des trucs de sourcils. Voilà. Là, ça se positionne vraiment sur le sourcil. Zoélie n'arrête pas de bouger. Elle met le deuxième sourcil. Alors, je ne sais pas si les chats, ça a vraiment des sourcils. Oui, ça a des sourcils. Mais rien que déjà, là, ça prend de l'allure. Arrête de bouger. Là, elle va mettre entre les yeux. Wow. Tu verras. Il y a beaucoup d'éléments sur cette planche. Pour pouvoir, j'allais dire maquiller, c'est pas vraiment maquiller, mais pour pouvoir décorer le visage très très vite. Oh, j'essaye de faire la mise au point. C'est un peu flou. Ah, voilà. Ça brille en plus. Alors, ce que je trouve dommage un petit peu, c'est qu'on voit le transparent du... Oui, puis ça colle pas. Et ça colle pas. Alors c'est repositionnable, il paraît. Même ça colle pas. Même là, regardez, sur le sourcil, là, et que cela. Ça n'adhère pas beaucoup. Alors le petit museau. Oh, c'est trop mimi. Oh, j'adore. J'adore ce petit museau. Regarde-moi. Sans bouger. Oh. T'envoies des bisous. Les abonnées, elles vous envoient plein de bisous veloutés de chat. Alors, qu'est-ce qui reste comme élément? Les petites moustaches. En fait, ça ne colle pas pour plusieurs raisons, je pense, parce que bah, ça ne colle pas très bien. Deuxièmement, comme le nôtre, là, il y avait un petit peu de velours, on va dire. Le poil s'est passé, en fait, sur le truc. C'est passé sur... Il y a une sorte de bord bleu partout. Et du coup, ça rentre dedans et ça ne colle pas. On a la preuve avec lui. Alors, on se rapproche, elle est où? Tout là. Alors, attendez. Ah oui, je vois ça. Ah oui. Je peux. Effectivement. Je peux. Du coup, ça colle pas. Oui, et sur la planche aussi, il y en a. Bah oui. Voilà, notre petit chat est prêt. L'avantage, c'est que ça se met très très rapidement. Vous avez vu Allez, en une minute, on a tout placé sur ce visage. L'avantage aussi, c'est que ça doit s'enlever très rapidement. Oh. Mais le rendu n'est pas exceptionnel. Parce qu'effectivement, il y a des parties qui adhèrent plus ou moins et ça se voit. Donc, vaut mieux un beau maquillage fait au pinceau. Alors, oui, un petit peu déçu. Non? Un petit peu déçue, ma Zozo. Mais Zoélie, c'est pas pour le gros. Allez, Zoélie, on va aller lui chercher un miroir. Moi, je craque quand même. Quoi? Je craque quand même sur ce petit museau. Oui, voilà. Et puis, sur cet effet pailleté pour les filles, c'est super. Alors, ne nous en voulez pas. Est-ce que c'est à partir de ciseaux? Oui, c'est à partir de... C'est pour les petits.
Alors, ne nous en voulez pas, je disais, si vous avez beaucoup de flou, parce qu'on a changé de matériel vidéo-photo, et j'ai un petit peu du mal à me familiariser et à faire les mises au point. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de flou, c'est la première fois, et voilà, mais j'arriverai à progresser. Je vais travailler pour progresser. C'est pratique de se gratter le nez quand on a un petit museau. Un petit museau de chacha. Alors, ce qui est joli sur le petit museau, sur les petites moustaches, c'est que c'est un peu velouté, un peu en velours tout doux. Alors, Zoélie s'admire. Est-ce que tu te trouves jolie? Vous voyez, c'est quand même mignon. Ça a le côté pratique d'aller très très vite, à la fois pour mettre et pour enlever. Le rendu n'est pas aussi joli qu'on l'aurait espéré. Je vais essayer d'aller voir son petit museau de tout près pour vous montrer. Voilà, voilà le petit aspect velouté du petit nez. Mais encore une fois, j'ai du mal à faire les mises au point. Et Zoélie qui fait le clown. Elle louche. Alors, je crois que le déguisement de clown tira mieux que celui de petit chat, n'est-ce pas? Non. Des poils sur le visage. Ouais. Alors, Zoélie a des poils sur le visage, c'est ce qu'elle dit. J'ai des poils sur le visage. Donc, premier maquillage entre guillemets carnaval. Mais on en essayera d'autres, des vrais cette fois. T'es d'accord, Limou? C'est moi qui l'ai fait. Pour maquiller notre petite Zoélie. Oh, en attendant, on va vous faire plein plein de gros bisous de chat. Miaou, miaou. Au revoir et à très bientôt. Pour enlever, c'est pas si... Ça fait un petit peu mal pour enlever? Ça tire un peu. Elle est toute rouge, la pauvre. Et elle est toute rouge, notre petite Zoélie. On m'a fait des toutes petites allergies, donc on a vite enlevé. On a vite enlevé et ben, c'est peut-être pas conseillé de le laisser trop trop sur la peau. Trop longtemps, du moins. Mmh. Alors, prochaine vidéo, on essaiera du maquillage spécial pour les enfants, ouais. Très très doux, qui part à l'eau. Ouais. D'accodac? C'est moi qui maquillerai, ok? Je te prends un maquillage de ça, si tu veux. De chat. De chat. Ok? Chat alors! Ok, 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 ok,